merci beaucoup, Louis, de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, c'est votre habitude d'accueillir les gens? Oui, bien oui, c'est dans votre ADN, il faut croire. Exactement. La croisée des chemins, c'est quoi exactement? La croisée des chemins, c'est d'abord, c'est une belle aventure. Mm. Ça fait déjà 7 ans qu'on est ici. Puis, dans le fond, c'est autant un restaurant, cuisine maison, spécialité sur le canard, qu'un bar, un pub, spécialisé dans les bières de microbrasserie. Mm-hmm. Puis, en plus qu'à l'occasion, on fait des spectacles. C'est vrai. Des événements différents aussi. Là. Surtout des concerts, mais tu sais aussi, on fait des vernissages d'expositions, on fait des parties du jour de l'an, parties de la Saint-Patrick. Ah oui! Du karaoké à l'occasion. Okay. On essaie d'aller là où les gens nous attendent le moins. Oui. Puis vous êtes vraiment un lieu à connaître. Pour tous ceux qui n'ont pas envie d'aller à Montréal, justement, vous êtes ouvert quand même tard le soir. C'est une place où on peut justement fêter sur la rive sud. Oui, exact. Puis en plus, la croisée des chemins, le nom le dit bien, justement. Souvent, on a des gens, par exemple, de Sherbrooke, qui disent ah, ben, j'ai un client à Montréal, on va se rencontrer à la croisée des chemins. Ah, c'est bon. Donc, okay. Oh, c'est super accessible, justement, d'être, le fait d'être sur le côté de la 10 comme ça. Tout à fait. Ouais. C'est un peu contre-instinctif parce que Chambly, c'est un peu, c'est le fort Chambly, c'est le bord de l'eau. Ouais. Nous, on est carrément là, aux portes de Chambly. C'est vrai, ben oui. À distance d'un jet de pierre de Saint-Jean, un jet de pierre de Brossard. Oui. Puis c'est pourquoi vous êtes venu vous installer ici? Parce qu'au départ, si on revient un peu en arrière, la croisée des chemins, le nom, c'est pas parce que vous êtes justement accessible en Sherbrooke ou Montréal. Je pense à la base, c'était autre exact. Chose. Exact. Hein? Bien, la croisée des chemins, au départ, c'était la rencontre entre un serveur, un cuisinier puis un brasseur. C'est un peu l'idée originale là, du concept. C'est pas ce trio originel-là qui s'est rendu à l'aboutissement, mais c'est un peu encore l'idée là, où on se rencontre. T'sais, autant qu'ici, le caractère accessible de la place. Ouais. Vient du nom. On est spécialisé dans la bière, mais on a aussi des cocktails, du vin, plein de sortes de boissons. Pour tous les goûts, finalement, oui. Exact. Que, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut être, se sentir pas à sa place. Tout à fait, c'est vrai. Il y a de l'offre pour tout le monde. Puis, tantôt, tu as mentionné que votre spécialité, c'est le canard. Ouais. Moi, de ça, ça me... Pourquoi? Ça me surprend. Ben oui, ben j'adore le canard en passant, mais je trouve ça chouette. Pourquoi? Ben le canard, c'est sûr que tu sais au départ, c'est dans l'esprit de faire un produit du terroir. Mm-hmm. Donc c'est pas nécessairement l'aliment vedette de la Montérégie spécifiquement, mais on s'entend que pas loin d'ici, il y a des fermes de canard. Ouais. Bon, je pense que juste mettons à Palmex, à Carignan, la canardière. Tu sais, c'est sûr aussi, c'est une protéine qui est délicieuse. Absolument. Qui est goûteuse, qui est savoureuse. Ouais, c'est pas juste comme une façon originale de remplacer le poulet. Là. C'est vraiment. Ouais. Bien, c'est aussi que ça a un regard aussi vers les plats bistrot, le canard confit. Ouais. Tu dirais pourquoi que. Pourquoi pas, en fait? Votre cuisine ici, c'est de la cuisine de bistrot. C'est bien ça? Inspiré par la bistronomie. OK. Puis des pubs anglais. Donc, c'est longtemps ce qu'on peut retrouver ici, des tartares. Des burgers, okay. Des poutines épiques. Des poutines épiques, c'est quoi ça? Des poutines prestige, des poutines originales. On amène le plat traditionnel québécois au maximum. OK. On vient de sortir un cassoulet. OK. C'est une belle façon de mettre la cuisse de canard confite en vedette. Ah non, ça, puis une bonne bière, là, c'est un beau voyage. La bonne bière. Ouais. Je sais que jusqu'à tout récemment, dans le fond, vous demandiez à des brasseurs de brasser pour vous, c'est ça? Oui, bien, on a à peu près une dizaine de recettes qu'on garde dans notre baluchon depuis 2016. Puis on a brassé à différentes places. La première fois, on était allé brasser au Loup Rouge à Sorel. On a suivi le brasseur au Lagabière à Saint-Jean. On a brassé chez Champ Libre à Mercier. On a brassé au Barry Roulant à Val-David. D'accord, mon Puis Dieu. La dernière brassée qu'on a faite, on a fait ça à l'autre brasserie à Bedford. OK. Fait que c'est des brasseurs qui ont de la place pour nous. Premièrement, ils ont de la disponibilité dans leur calendrier. OK. Puis on se rend sur place, on brasse avec eux. Puis ils nous permettent comme ça d'avoir nos brasses à nous en attendant le fameux projet qui s'en vient d'un mois à l'autre. D'un mois à l'autre. Début 2024. Début 2024, OK. Parce que oui, j'ai entrevu qu'il y avait de l'équipement. Alors, justement, vous êtes brassé ici, ouais. Ouais, directement juste dans l'entrée. En fait, on a délimité un espace dans le fond dans le restaurant. Puis ça leur a poussé un peu le resto. Mais tu sais, je pense que c'est raisonnable d'avoir un 90 places assises plutôt qu'un 120.
dans l'historique de la Croisée des chemins. Nous, on a commencé sur la rue Bourgogne à Chambly. Oui. On était coloc avec le Bonté Divine, qui était un petit bistrot déjeuner. Mm-hmm. Donc, on faisait comme une colocation. Eux autres faisaient du matin jusqu'à 2 heures. Puis nous, on embarquait à 16 heures pour faire le repas jusqu'à 1 heure du matin. Le projet d'origine, c'était d'avoir une brasserie artisanale avec une scène, avec une cuisine complète. Mais là, on a eu l'opportunité de commencer la partie vraiment comme salle à manger, bistrot. Vous faire les dents un peu, peut-être? Exact, ouais, parce que c'est encore plus petite place là-bas. OK. 32 places à peu près, là. OK. Sur deux étages, c'est vraiment... Ouais. On était des jeunes entrepreneurs presque inexpérimentés. Fait que, oui, en effet, ça nous a fait les dents avant de se lancer dans quelque chose de plus gros. Mais c'est fabuleux. Fait que là, vous êtes ici pour rester. Parce que là, quand on rentre... Oh, ouais, quand on s'installe... Là, quand on s'installe comme ça, là, avec ces cuves-là... Puis, c'est avec... surprenant, le secteur ici. Moi, je suis un gars du vieux Chambly. Là. Je suis né là, ma famille est là depuis toujours. Sans un char. Puis, tu sais, j'étais comment, loin, sur le bord de la 10, tu sais, voir. Puis, c'est vraiment étonnant à quel point le quartier ici, ben, tu sais, c'est plein de nouvelles familles. Exactement. Ou c'est plein des gens de mon âge qui ont acheté leur première propriété ici. Ouais. Il y a du monde, ça passe ici, là, nuit et jour. Oui. Il y a des voitures, il y a du trafic même un peu. Mm-hmm. Je suis d'accord avec toi. Ben oui, c'est excitant, certain. On était venus, tu me dis ça, puis je me rappelle quand on est venu pour notre virée gourmande mystère, on était arrêté ici. Je pense que c'était un mercredi soir, c'était plein de monde. C'était plein, plein, plein. En terminant, parce que l'émission, comme tu sais, s'appelle Fierté d'ici. Oui. Je serais curieuse d'entendre c'est quoi ta fierté. Bien, moi, ma fierté, là, c'est vraiment comme... on parle justement là, un jeudi soir. Debout, en plein milieu de la place, je fais le tour, puis là, il y a du monde un peu partout, du monde qui ont du plaisir, du monde qui passe du bon temps, qui mange bien. Puis ça, là, ça me rend énormément fier. T'sais, c'est vraiment de pouvoir accueillir du monde qui ont du fun dans notre place. Puis, tu contribues au bonheur des gens. Oui, exact. En créant 25 emplois en même temps par la même occasion, du monde qui vit ici, qui vont pouvoir faire des décennies ici s'ils veulent. Ouais. Ben, toutes mes félicitations. Merci beaucoup.